Bonjour à tous les amis, c'est GD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau GD News. Donc le dernier que j'ai fait date, si je ne me trompe pas, de février. Et donc là on est parti pour ce GD News en août 2022. C'est le 13e, voilà. Donc du coup, de quoi nous allons parler dans ce GD News? On va parler de Monton, la GV11. On va parler un petit peu de ce qui va arriver pour cette rentrée. On va parler du rythme de vidéo, de live. Et on va parler un petit peu de la chaîne Twitch. Et on conclura un petit peu avec aussi les différents réseaux. Je vous en parlerai ça à la fin vite fait. Bref, on va commencer avec Monton, la GV11. Donc du coup, vous savez, Monton, la GV10 est en train de se terminer. À l'heure actuelle, on a fait déjà 20 épisodes. Il n'en reste plus que 2 ou 3 qui arriveront du coup dans les semaines qui arrivent. Donc après ça, bien évidemment, on va faire Monton, la GV11. Sauf que je pense que le format va un petit peu changer encore une fois. Enfin, même beaucoup changer cette fois-ci, peut-être même. Étant donné que je pense que déjà ce sera plus tous les lundis, tout simplement parce que les améliorations prennent plus d'une semaine, donc ce serait compliqué de faire ça toutes les semaines. Donc du coup, je pense ce que je vais faire, c'est que il y aura un Monton la GV11 une semaine sur deux, et je vais faire en sorte que en gros, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines où il n'y a pas eu, je vous filme tout. Je vous filme également quelques gameplays et puis je les commente par-dessus, un petit peu comme il y a eu dans le dernier épisode de Monton la GV10. Je pense vous faire ce format-là pour Monton la GV11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout simplement, je pense que je pourrais plus vraiment vous faire le format classique, entre guillemets, en direct, où je commente les attaques et où on se fait les améliorations à la fin. Je pense que ça, c'est plus vraiment possible. Du coup, je pense que je vais faire comme je viens de vous dire. Et en plus, ça permettra peut-être d'avoir moins d'épisodes de Monton la GV11, histoire qu'il n'y en ait pas non plus 40. Et aussi, ça permettrait d'avancer un petit peu plus vite sur le compte également. Je pense qu'il y aura également pas mal de streams sur cette GV11. Voilà, les fois où j'aurais pas vraiment envie de farmer sur la GV13, ou que je serais full tout simplement, par exemple pendant une ligue ou pendant je sais pas quoi, ou même après le pass, tout simplement, bah, je pourrais farmer sur ce petit compte à GV11, améliorer plein de trucs, et ça pourrait être vachement cool. Écoutez, ça pourrait être vachement sympa. Je pense que vous verrez pas la GV11, enfin le petit compte moins, mais vous le verrez plus rarement en vidéo, mais sûrement un petit peu plus en live. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Ensuite, on va passer à ce qui arrive tout simplement à cette rentrée, tout simplement parce que là, comme vous le savez, c'est très très bientôt la rentrée, tout simplement, on est dans une semaine de rentrée, tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive? Bah déjà, vous le savez, il va y avoir Monton la GV11, je viens de vous le dire, il y aura la fin de la série comment maxer son HDV, vous inquiétez pas, il nous reste encore l'HDV 10, 11, 12, 13, et 14, les épisodes arriveront tout simplement tous les dimanches à 14h, cela ne bouge pas tout simplement, et je pense qu'après ça il y aura même encore une autre série, mais ça on verra par la suite. Écoutez, on verra ça par la suite, mais en tout cas je compte terminer déjà aussi le rush. Comme vous le savez, en ce moment en live on est en train de rusher à fond le légende sur l'HDV10, donc là à l'heure actuelle je crois que je suis à 3900 trophées, donc j'avance vraiment super bien sur ce petit compte, j'avance vraiment très très bien. Donc ça fait plaisir. Je pense que demain on essayera de se passer le titan, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, demain on essayera de se passer le titan, et pourquoi pas si j'ai le temps samedi passer légende, mais je pense qu'on sera plus ça la semaine prochaine. Je vais essayer de jouer un petit peu plus mollo, surtout que là il y a aussi la rentrée pour moi, c'est aussi la rentrée pour moi, la terminale, donc beaucoup beaucoup de travail aussi je pense qu'il y aura de ce côté là. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et je compte aussi très bientôt, j'en parle depuis assez longtemps pour ceux qui suivent, je vais très bientôt faire un rush top FR sur la MDO. Je pense pas le faire durant la saison qui est là, la saison actuelle qui a commencé il y a pas super longtemps, hier ou avant-hier je crois. Je compte pas sûrement le faire dans cette saison, mais pourquoi pas la saison d'après. Écoutez, je pense que c'est largement faisable. Là j'étais top 400 cette saison, j'étais à 5400 et le top est pas vraiment haut, j'ai l'impression il est qu'à 5700 en fin de saison. Donc je pense que c'est largement faisable de tenter un top 200 FR sur toute une saison. Je pense que je ferai ça du coup en octobre, et bien évidemment on continuera les lives et les vidéos sur l'HDV13. Vous inquiétez pas, ça continue à fond. Très bientôt vous aurez le test des cheveux au champ dragon qui arrivera. Si c'est pas vendredi, ce sera dans la semaine d'après, tout simplement. Vous aurez le test des cheveux au champ dragon, tout simplement parce que je les ai débloqués. Là ils sont même en train de passer niveau 2, donc ça se trouve on se testera même niveau max. Ça pourrait être vachement cool, ça pourrait être vachement cool. Sinon bah voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur ce qui arrive à la rentrée. Après je sais pas énormément trop
trop ce qui va arriver. Pourquoi pas aussi refaire des GDC solo, ça vous avait pas mal plu. Donc pourquoi pas refaire des GDC solo, parce que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, et donc ça me ferait super plaisir d'en refaire, donc on verra. N'hésitez pas à suivre la chaîne, si vous voulez pas rater tout ça, abonnez-vous, mettez la cloche, surtout que vous êtes la majorité, vous n'êtes pas abonné, vous êtes, je crois, quasiment 90% à pas être abonné, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Ensuite, on va passer au rythme de vidéo et de live, donc de ce côté-là, bah, pas beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a en ce moment, clairement, si ce n'est même pas du tout. Les vidéos, le lundi à 20h, pour le moment c'est montage et lisse, après ce sera une semaine sur deux. Le mardi à 20h et le vendredi à 20h, et comment maxer son HDV le dimanche à 14h. Voilà, si vous voulez vous mettre des plannings, pour le moment c'est comme ça, ça bougera pas. Et les streams, le mercredi, le jeudi et le samedi à 21h sur la chaîne YouTube, sur Clash of Clans. En ce moment, et pourquoi pas après en faire aussi sur Twitch, mais j'en reviendrai après puisque j'ai fait un point sur Twitch. J'ai fait exprès un point sur Twitch parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur Twitch. Donc voilà, le planning qui est en ce moment, qui ne bougera pas, je pense. Pour le moment, en tout cas, il va pas bouger. Je vous préviendrai bien évidemment s'il bouge, mais en tout cas, pour le moment, il va pas bouger ce planning. Voilà, si vous pouvez même vous mettre des petits rappels si vous voulez dans vos agendas et tout pour dire là c'est bon, il y a vidéo de GD, là il y a vidéo de GD, là c'est live de GD. Si vous voulez le faire, écoutez, faites-le. En tout cas, voilà, ça va pas bouger, le rythme de vidéo de live ne devrait pas bouger, donc du contenu tous les jours, si vous m'avez bien écouté, il y aura du contenu tous les jours, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur YouTube et Twitch, vous verrez ma grosse tête tous les jours, donc j'espère que ça vous fait plaisir quand même, hein, n'est-ce pas, ça vous fait plaisir. Bref, on va passer directement du coup pour terminer à Twitch. Twitch, j'ai pas mal de choses à vous dire, parce que comme vous le savez, depuis que j'ai arrêté les live Clash of Clans sur Twitch, bah le Twitch, j'ai fait quelques petits lives, j'en ai fait un, je mens, j'en ai fait que un seul. J'ai fait que un live sur Twitch, sur Brawl Stars, si je m'abuse. Vous inquiétez pas, ça y est, enfin, Twitch, ça va reprendre régulièrement. Oui, je sais, vous vous attendiez pas à ça non plus. Twitch va reprendre régulièrement, les amis. Je pense que tous les jeudis, après le Rush Legend, vous aurez du Twitch. Un live sur Twitch à 21h, tout simplement, si vous voulez pas rater ça, le lien de la chaîne Twitch, c'est dans la description. Je vais laisser aussi live. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Il y aura plein de jeux, mais je pense que prochainement, on va se commencer un let's play sur un jeu, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est une sorte de hack-rom d'un autre jeu qui, lui, est très très connu. Vous verrez ça en temps réel sur Twitch. Il y aura également plein d'autres jeux, genre il y aura du Petri Dish en live, pourquoi pas, où on sera des games tous ensemble, pourquoi pas faire du Akinator en live, où vous proposez des choses à faire deviner, ça pourrait être vachement cool. Pourquoi pas aussi du Stitterio, pourquoi pas faire plein de jeux, écoutez, sur Twitch. J'ai envie de me régaler sur Twitch. Pourquoi pas également continuer les jeux, genre Brawl Stars, faire du Heyday sur Twitch, du Clash Royale, du Boom Beach. En ce moment, Boom Beach, il y a une sorte de petite hype Boom Beach. C'est vrai que je m'y remets un petit peu, Boom Beach, petit à petit, vraiment petit à petit, mais je m'y remets. Brawl Stars également, pas vraiment en ce moment, mais un petit peu quand même. Enfin, je joue un petit peu à tous les jeux Supercell en ce moment. Donc ça fait plaisir, sauf CR, je joue vraiment pas beaucoup à CR. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous en proposerai quand je le voudrais. Et si jamais, j'ai vraiment besoin de farmer, et bah les potes, on aura peut-être un live Clash of Clans sur Twitch. Mais ça, je ne pense pas, tout simplement, je pense qu'on de temps en temps, il y aura aussi des lives le jeudi sur la chaîne YouTube, comme c'était avant, tout simplement. Donc, soit ce sera sur Twitch, soit ce sera sur YouTube, les lives le jeudi. Ce sera sûrement en très grande majorité maintenant sur Twitch, mais il y en aura sûrement encore quelques-uns sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas, quand je farmerai sur Clash of Clans, sur l'HDV13 ou sur le futur HDV11, pourquoi pas, on verra ça, ou même pourquoi pas faire des petites GDC le jeudi, ou on verra ce qu'il y aura le jeudi, mais en tout cas, soit ce sera sur Twitch, soit ce sera sur YouTube. Voilà, et n'hésitez pas du coup à me suivre sur tous les réseaux. C'est vrai que j'en fais pas vraiment la pub régulièrement, je vous le dis seulement en fin de vidéo, mais bon, tout le monde regarde pas la fin de la vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, tout simplement, on est environ une
80 je crois sur Twitter, donc n'hésitez pas vraiment à suivre, je suis très très actif là-bas, j'y vais tous les jours, et je vous raconte ma vie sur Twitter, je commande des posts et tout, donc si vous voulez suivre mon actualité, n'hésitez pas sur Twitter, je mets aussi des petites annonces de vidéos à l'avance de temps en temps, tout simplement, n'hésitez pas également à me suivre sur Insta, on est 150, ça fait vraiment super plaisir, merci à tous de me suivre sur Insta, ça fait plaisir, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord également dans la description, de toute façon tous les liens sont dans la description. Sur Discord, on est une petite centaine, je crois. On est une petite centaine. Donc, si on pouvait rendre ce serveur Discord actif, ce serait vraiment super cool. Et n'hésitez pas, du coup, également à me suivre sur la chaîne Twitch et également sur la chaîne de Rediff. La chaîne de Rediff qui, du coup, bah, pourrait reprendre du service puisqu'elle rediffuse tous les lives sur Twitch. Tout simplement, les lives qui ont été faits sur Twitch, et bah, après, ils sont remis sur la chaîne de Rediff, tout simplement. Donc, si vous ne voulez pas rater... si jamais vous avez loupé des lives sur Twitch, bah vous les avez sur la chaîne de Rediff, tout simplement. Du coup, voilà, tous les liens sont dans la description. Bref, ça fait déjà plus de 10 minutes que je blablate. Du coup, c'est la fin de ce GD News. J'espère que vous aura plu. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est sûr et sûr pas fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui arrivent. N'hésitez pas également à commenter, dire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description, également sur la chaîne de Rediff. Bref, c'était JD, et moi je vous dis bye tout le monde.